Une nouvelle série dans notre émission, c'est Superflic. C'est dans la suite du Disney Club, après une recette de Julie. Baguettes, car aujourd'hui nous allons nous attaquer à la cuisine chinoise. Je vais vous apprendre à faire des rouleaux de printemps. Alors c'est très très simple. Pour cela, il vous faudra du soja, quelques feuilles de menthe, des carottes, des crevettes, des galettes de riz, des champignons noirs, de la salade verte. Alors les galettes de riz, vous les trouvez dans le commerce ? Sous cette forme, elles sont un petit peu plus rigides, mais c'est très très simple. Pour les obtenir comme celle-ci, il vous suffit juste de les tremper 30 secondes dans de l'eau tiède, de les mettre sur un torchon histoire de les essorer, et puis voilà, c'est prêt. Alors, on remplit, on va mettre du soja. Hop. On peut mettre des carottes. Voilà, je m'aide un petit peu des doigts parce que c'est vrai que les baguettes, c'est pas évident. Vous savez manger avec des baguettes, vous? Non. Ah, les avis sont partagés. Quelques petites crevettes. Des champignons noirs, c'est typiquement chinois et c'est très très bon. Et de la salade verte. Alors, vous les coupez un petit peu comme ça. Pour donner un petit peu de goût, vous mettez quelques feuilles de menthe. Et alors là, il va falloir rouler. Vous pliez en deux. Vous rabattez les bords et vous tournez. Alors, c'est pas toujours très évident. Et voilà. En voilà un. Tout à l'heure, j'en ai fait plusieurs. Il se trouve ici et c'est délicieux. Vous trempez le tout dans une sauce, la sauce Nokman. Voilà. Bon appétit. Tu sais où Julie nous emmène maintenant, Birdie? Au Palais de la Découverte, où elle a rendez-vous avec ses nouveaux petits copains. Enfin, si je peux dire. La petite bête que je tiens dans la main a disparu de la surface du globe depuis 65 millions d'années, pour des raisons qui restent de nos jours encore très énigmatiques. Aujourd'hui, je disais donc aujourd'hui, quelle apatosaurus alors! Aujourd'hui, tous les dinosaures sont de retour sur Terre, enfin, au Palais de la Découverte à Paris. Suivez-moi. Les premiers de ces terribles lézards sont apparus au début de l'ère secondaire sur notre planète, soit il y a quelques 225 millions d'années. Ce tricératops est plus vrai que nature, vous ne trouvez pas? Le carnivore, pesant près de 2 tonnes, a pour nom le Deinonychus et il vécut il y a 150 millions d'années en Amérique du Nord. Bon, eh bien, je crois que je vais m'éclipser car je n'ai pas du tout envie de lui servir de petit déjeuner. Bon appétit! Si le Parasaurolophus émet un son si caractéristique, c'est grâce à la morphologie très particulière de sa tête. En effet, sa crête lui sert de caisse de résonance amplificatrice. Pas si bêtes les dinosaures. Continuons la visite. Mesurant plus de 12 mètres de long et près de 6 mètres de haut, est un redoutable prédateur. Un ananas, Rex ? Ah !
ça va, Nicolas, tu ne me fais pas peur. Regardez bien le deuxième indice, il s'agit de trouver le nom d'un monument très célèbre. Tom, Lisa et leur vraie petite famille nous ont quittés. Cette semaine, nous accueillons dans notre Disney Club un super flic qui s'appelle Ike Porter. C'est en effet un ex-policier qui s'est reconverti dans les relations publiques. Mais très vite, il s'ennuie et décide de revenir à ses premiers amours, la police. Il doit reprendre l'entraînement, mais ça n'est pas très facile quand on a pris quelques années. Voici le début d'un super flic. Et voilà, maintenant vous connaissez Ike Porter que nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, nous allons... jouer ! Absolument, nous allons jouer au parcours des brouettes. Alors, je vais rejoindre mes candidats. À ma gauche, nous avons une équipe formée de Aurélien et de Sabrina. Ça va ? Oui. Bon, et à ma droite, nous avons Guillaume et Aurore. Donc, vous avez compris, ils ont chacun une petite brouette à pousser avec un petit bonhomme et une petite jeune fille dedans. Et ils vont effectuer un parcours aller-retour deux fois. Le premier arrivé aura gagné. C'est très simple, vous avez tout compris ? Oui. Alors, je vais vous donner le départ. Le départ à la chinoise. Attention. Ton, yo, ton, parti ! Viens là, de ce côté, Guillaume. Voilà, alors écoutez, moi je sais pas si j'ai très bien vu, j'ai des petits problèmes en ce moment, mais j'ai l'impression qu'ils sont ex aequo. Oui. Disons à 2 ou 3 cm près. Hein. Bon, alors voici les cadeaux. Donc, pour... oh, j'en perds la moitié en route. Pour toi, une BD et un album. Merci. Pour toi, un album et une BD. Pour toi, une BD. Pour toi, un album. Pour toi, un album, et pour toi, une BD. Et on les applaudit. Nous allons retrouver maintenant notre très cher ami Dingo. Dingo qui vient d'acheter un appareil photo pour prendre la photo d'un ours. Mais l'ours ne veut pas. Alors, bonjour les ennuis. Nos rendez-vous cet après-midi, Anne et Jean-Pierre Foucault nous attendent chez Monsieur Mickey et Madame Minnie pour Disney Parade. Et dimanche prochain, rendez-vous dans notre Disney Club avec Julie, Nicolas et Philippe. Alors, regardons le programme de ces deux émissions. Ouais ! Chaque dimanche de 8h à 10h dans le Disney Club, les nouvelles aventures de Tic et Tac, de Super Flic, de la bande à Picsou. En participant au concours, vous pouvez gagner de nombreux prix, dont un voyage en Floride. Il y aura aussi des dessins animés, des reportages. À Disneyland en Californie, nous vous emmènerons à la recherche d'un fabuleux trésor. Et Nicolas nous fera découvrir la course des chiens de traîneau. Et enfin, les groupes et les chansons que vous aimez. Et cet après-midi, ne manquez pas Disney Parade. Dans la maison de Mickey, rejoignez Jean-Pierre Foucault et Anne. Aujourd'hui, suite d'une nouvelle vie dans la série Le Monde Merveilleux de Disney. Et rendez-vous bien sûr avec Mickey, Minnie et tous leurs amis. Un divertissement pour toute la famille, chaque dimanche après-midi, Disney Parade.